Yep les gens, c'est Verxyuss, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien, et une toute nouvelle sorte de vidéo, donc ça va être une nouvelle playlist, et ça va être ce que je vais appeler les astuces du jour, donc un nouveau concept que j'ai inventé, et dès que je pourrai vous faire des vidéos, je vais vous en faire une sur ces astuces du jour, et tous les jours je vais vous donner des petites astuces, des habitudes à prendre et à faire tous les jours, donc elles sont connues, certaines sont connues. Peut-être vous n'y penserez pas forcément, il y aura quelques techniques qui auront déjà été dans mes vidéos. Donc si vous me suivez, vous reconnaîtrez certaines de ces techniques. Donc chaque fois qu'il y aura une vidéo, ça sera une astuce par une astuce. Donc il fera une grosse playlist au bout d'un moment. J'essaierai de vous en sortir une tous les 2-3 jours, voire une tous les jours si j'ai le temps. Et donc je vais directement passer à cette vidéo. Donc cette astuce du jour, ça va être de faire les Dopeuls. Donc oui, très connu, mais vous n'y pensez pas forcément. Donc je vais à peu près vous montrer mes chemins, moi ce que je fais, ce que je fais pour moi quand je fais les Dopeuls, etc. Donc je pouvais pas juste vous dire ça et couper la vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai mis tous les Dopeuls que je faisais. Donc ça m'a pris environ 28 minutes 27 minutes à faire les Dopeuls, sachant que quand même je me suis arrêté pas mal de fois pour récolter quelques ressources, notamment du frein, de la soja, etc. Et aussi pour répondre à des abonnés. Donc voilà. Donc allez, donc on va directement passer à la suite de la vidéo. Donc à la carte. Donc comme vous voyez maintenant, je vais vous présenter à peu près le chemin que je fais. Donc comme vous voyez, donc moi je commence aux abdos de McNav Village, je me dirige de map à gauche, on va au SRAM, ensuite on descend au temple Kra, temple Yop, direction temple Roublard, on passe par ce passage secret qui va nous mener directement au-dessus du donjon. pardon. Ensuite on monte au temple Xelor, temple Héliotrope, Panda Eni, Osa Steamer Pifeka. Ensuite on va remonter, vous prenez une popo, vous allez aux apps, vous montez jusqu'au temple Nutrof. Ekaflip, Zobal. Ensuite vous passez par des ponts, il y a deux ponts comme si vous allez au temple de guilde. Vous remontez par une espèce de petite grotte et il y aura votre temple du sacrieur. Ensuite vous allez aux bord de la forêt maléfique. Allez à droite puis prenez le temple des Salida. Donc voilà, donc allez les gens, bonne vidéo. Yeah.
Merci.